Aujourd'hui, vous allez être mis à contribution. Je vous explique. Je vous explique. Vous voulez savoir? Alors, on va s'amuser. Bon. D'abord, nous avons un oreiller tout là. D'accord? Et puis, à côté, nous avons un oreiller le plus gros qui est un peu beige. D'accord? Ok. Ça, c'est dit. Alors, si je vous dis, cet oreiller s'appelle sclérose en plaques. C'est l'oreiller qui va représenter la sclérose en plaques. Celui-là, on ne l'aime pas. Et puis celui-là, c'est l'oreiller anticèpe. Celui-là, on l'aime bien. Vous voyez, celui-là, on le veut. Alors, je vous explique. Quand ça ne va pas, bon, c'est dommage, j'aurais dû mettre quelque chose sur les fesses pour être plus haute, mais je suis un peu basse là. Ça va. Les moments où ça ne va pas. Vous avez l'oreiller sclérose en plaque. D'accord. Pour vous défouler, vous allez taper dessus. En fait, je vous explique. Vous allez, c'est inspiré d'un exercice de sophrologie qui s'appelle le déplacement du négatif. Vous allez inspirer. Vous essayez de vous calmer. Et au moment où vous arrêtez, vous bloquez la respiration. Vous inspirez. Vous bloquez la respiration. Au moment où vous bloquez la respiration, vous allez imaginer que tout le négatif, toutes les emmerdes que vous procure la sclérose en plaque, vous le mettez dans cet oreiller. Vous voyez, ça représente la sclérose en plaque. Vous imaginez, et en même temps vous contractez les muscles et vous allez vous dessiner sur l'oreiller, taper, 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 taper. Vous pouvez crier si vous voulez. Hein. Et non, vous ne pouvez pas crier, sinon vous allez expirer. Attends. Vous avez retenu la respiration, vous avez inspiré, vous avez retenu la respiration, vous tapez. Et après, vous prenez l'oreiller, vous l'envoyez au loin. Voilà. Débarrasser de la sclérose en plaque. Bon, ça va durer longtemps, mais enfin bon, ça, vous faites ça trois fois, ça va vous faire du bien. Après, c'est pas fini, petit moment d'intégration. En sophrologie, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça, un petit moment d'intégration. Vous allez fermer les yeux et ressentir les sensations que vous avez. Vous êtes libéré d'un poids quand même, hein, parce que vous en plaques, c'est costaud. Après, vous allez prendre votre oreiller spécial anticèpe, et là, vous imaginez qu'il existe un oreiller, un peu miracle, hein, qui est plein de bandes ondes, qui va vous amener que du positif. Voyez. Donc on s'est débarrassé de l'oreiller sclérose en plaques, et on a l'oreiller anticèpe. Et lui, vous allez lui faire un gros câlin. Voilà, et vous pouvez y aller. Et vous pouvez vous allez. Alors, on prend l'oreiller, on prend un gros câlin. Et on se dit qu'il a plein de bandes ondes. Bandes ondes pour vous amener plein d'énergie. Plein de ressources pour enfin, plein de bonnes énergies pour vous ressourcer. Et il va faire du bien à votre organisme, à votre système immunitaire. Ça va ressourcer tout ça, quoi. Voilà, et vous allez le serrer très fort, et celui-là, vous l'aimez bien, cet oreiller anticèpe. Voilà, donc celui-là, vous ne l'avez pas jeté, vous le gardez près de vous, et de moment où ça va pas, vous allez lui faire un gros câlin, et vous allez, après, vous posez à côté de vous, ou vous allez sur vos pouces, vous allez fermer, encore en temps d'intégration, et là, vous sentez relax et en même temps ressourcé et vous êtes parti pour attaquer une bonne journée. Voilà. Bon. Faites-moi un retour, me dire si ça vous fait du bien ou pas. D'accord. Et si vous voulez d'autres astuces comme ça pour mieux vivre avec la sclérose en plaques, n'hésitez pas à me le dire. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt.